J'espère que vous aurez apprécié ma nouvelle introduction. Vous avez vu, petite nouveauté aussi, je vous ai fait une petite outro pour la vidéo qui se trouve à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou non, parce que moi je me suis bien amusée à les faire. En tout cas, j'espère que ça donnera plus de peps à mes vidéos. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo un peu différente de celle que je propose d'habitude. Je vais vous parler de bons plans, je vais vous aider à faire des économies au quotidien. Des économies au quotidien, notamment grâce aux bons de réduction. Sachez qu'il y a vraiment énormément de bons de réduction téléchargeables sur internet. C'est tout simple pour les obtenir. Il suffit de s'inscrire à certains sites que je vais bien sûr vous énumérer dans cette vidéo. Donc sachez que l'inscription et l'obtention des bons de réduction sur ces sites est totalement gratuit. Vous ne devrez pas débourser quoi que ce soit pour pouvoir les imprimer. Donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur l'ordinateur pour que je vous énumère les différents sites qui proposent des bons de réduction et que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc le premier site dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Il s'agit de La Belle Adresse. Il suffit de vous inscrire juste ici en cliquant sur « Je m'inscris ». Et une fois que vous êtes inscrit, vous pourrez accéder aux 109 euros de bons de réduction qui sont disponibles par exemple ce mois-ci. Et pour les consulter, il suffit de cliquer sur « J'en profite ». Voilà. Et voilà, ils se retrouvent tous sur cette page. Donc en ce qui concerne le site de La Belle Adresse, ça sera plutôt des produits d'entretien, des produits de beauté ou ce genre de choses-là, des produits pour la maison, pour la lessive. Vous voyez, il y a un petit peu de tout et il y a de très belles réductions. Par exemple, vous voyez qu'ici, pour l'achat d'un bidon de lessive, le chat, il y a quand même 2 euros de réduction, pardon. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà, il suffit de cocher les bons de réduction qui vous intéressent. J'en sélectionne plusieurs ici, hein. C'est vraiment juste un exemple pour vous montrer. Et ensuite, vous validez et vous pourrez imprimer les différents bons de réduction que vous avez sélectionnés. Vous pouvez soit tous les cocher, soit simplement cocher ceux qui vous intéressent, bien sûr. Mais sachez que le site La Belle Adresse envoie, je crois que c'est mensuellement, les bons de réduction par la poste. Donc une fois que vous serez inscrit, normalement vous allez les recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Et ça, c'est très intéressant. Le second site dont je voulais vous parler, c'est Envie de Plus. Vous êtes peut-être déjà inscrit à ce site, notamment parce qu'il propose de temps en temps des jeux concours. Donc pour s'inscrire, vous cliquez ici. Et une fois que c'est fait, vous pouvez en sélectionnant l'icône offre, accéder aussi à leurs différents bons de réduction. Donc c'est un petit peu près pareil que La Belle Adresse, c'est des produits de beauté ou d'entretien. Voilà. Le troisième site dont je voulais vous parler, c'est Envie de bien manger. Alors, Envie de bien manger, là c'est un petit peu différent, ça sera plutôt des bons de réduction qui concernent les produits alimentaires. Vous voyez, ils ont des marques partenaires. Et c'est sur ces marques partenaires que vous allez pouvoir obtenir ces fameux bons de réduction. Donc toujours pareil, vous voyez, les yaourts, le fromage ou ce genre de choses-ci. Aussi des réductions très intéressantes. Le quatrième site, toujours, il faut toujours s'inscrire, hein, bien sûr, il y a Ribambelle. Alors, Ribambelle propose aussi des bons de réduction plutôt alimentaire, fromage, yaourt ou ce genre de choses. C'est toujours le même principe, vous sélectionnez les offres qui vous intéressent en les cochant et une fois que vous les avez choisies, vous pourrez ensuite les imprimer grâce à votre imprimante. Autre site un petit peu différent, il s'agit de consofacile.com. Ce site est différent parce qu'il propose des bons de réduction plutôt sur les loisirs. Tout ce qui est culturel, sport, loisirs, restauration. Donc pour obtenir les bons de réduction qui correspondent à votre région, il suffit de choisir la métropole la plus proche de chez vous. Et en fonction
de ce que vous allez choisir, vous allez retrouver les bons de réduction qui sont proposés aux alentours. Donc c'est plutôt ciblé en fonction de votre domiciliation sur ce site, mais il y a des choses aussi très intéressantes comme les parcs, les musées, comme je vous disais, le cinéma, le restaurant. Il y a des choses intéressantes, donc il y a un petit peu moins de bons de réduction, mais les offres sont sympas. Il existe également Coupon Network qui propose aussi de nombreux bons de réduction, comme vous allez le voir ici. C'est aussi plutôt sur l'alimentaire. Toujours le même principe, on s'inscrit, on sélectionne et on imprime. Ensuite, certains connaissent sûrement iGraal, c'est un site qui est spécialisé dans le cashback. Hein. C'est quelque chose que je n'utilise pas forcément, mais bon, on en a déjà tous un peu entendu parler. Mais sachez qu'ils proposent eux aussi des bons de réduction sur leur site, donc c'est toujours bon à prendre. Et voilà, le dernier petit site que vous connaissez sûrement si vous êtes concouriste, c'est Instant Plaisir, sachez. Ici en bas de page, vous retrouvez aussi des bons de réduction à télécharger, à imprimer. J'ai déjà reçu un carnet de coupons comme ça venant de leur part dans ma boîte aux lettres, mais je ne sais pas si cet envoi est mensuel, je ne pense pas, mais sachez qu'en tout cas, il y a toujours des bons de réduction imprimables à disposition sur ce site également. Donc vous l'aurez compris, faire des petites économies au quotidien, c'est pas compliqué. Il suffit de s'inscrire sur ces sites que je viens de vous énumérer. Et dans l'idéal, le mieux, c'est d'avoir une petite imprimante pour pouvoir mettre sur papier tous ces jolis bons de réduction. Il y a certaines personnes qui sont réticentes à utiliser les bons de réduction en magasin, parce que c'est vrai qu'on a tendance à ennuyer les personnes qui font la queue à la caisse derrière nous, mais je pense qu'il suffit d'aller à des heures où il n'y a pas beaucoup d'influence pour éviter d'embêter le monde, et normalement ça devrait passer. Si vous connaissez d'autres sites que je n'ai pas cité dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça serait toujours appréciable. Ou si vous connaissez d'autres astuces sur ce genre de site, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ça me fera toujours plaisir et c'est toujours bon à prendre. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut !